Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique On l'a vu. Et cette semaine, c'est la série Bates Motel qu'on a vue. You're new. What's your name? Norman Bates. Bates Motel est une série américaine de 2013 composée de 3 saisons et s'inspirant du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have 12 vacancies. Après la mort suspecte de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona et part dans l'Oregon avec son fils Norman. Attention, pas d'insultes gratuites chez moi. Non, c'est pas celui qui fait les vidéos. Norman, c'est son fils de 17 ans avec qui elle partage une relation fusionnelle et complexe à la limite de l'inceste. Norman has been through a lot. There's something wrong with me. L'actrice Vera Farmiga, qui interprète le rôle de Maman Poule, est l'une des raisons principales de regarder la série. Avec un regard inquiétant cachant quelque chose de troublant, entre folie et mensonge, Norma Bates captive et nous pousse à en vouloir plus. We came here to start over, and I am starting over. Norman Bates, qui lui est interprété par Freddie Highmore, nous semble être un jeune assez sympathique et vulnérable, beaucoup trop couvé par sa mère. La psychologie de ce personnage va être mise en évidence au fil des épisodes, à se demander parfois qui est le plus fou, Norma, Norman ou nous. It's not normal. Norman's 18. He shouldn't be sleeping in the same bed as his mom. I've been thinking about something. What is it? I'm gonna make you motel manager. Alrighty, mother. I'll be your motel manager. La saison 3 est en cours de diffusion aux US, tandis qu'en France, Netflix propose pour le moment que la diffusion de la première saison. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cette série, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.